pense que c'est par le mouvement qu'on s'approprie sa propre vie, c'est par la liberté d'aller, de venir, d'avoir des gestes d'amour, de tendresse, de colère, peu importe. Et donc quand on est privé du mouvement, comme je le suis, comme beaucoup d'autres personnes le sont, je pense que si on veut survivre, il faut réinventer le mouvement autrement. Et donc, ce qui se passe dans ma tête, c'est pas purement cérébral, c'est pas purement intellectuel, c'est une manière de me recréer un espace intérieur qui est aussi ma liberté. Lorsqu'on vit un handicap sévère, lorsqu'on vit totalement immobile, dépendant, on vit en fait quelque chose qui n'est pas partageable, qu'on ne peut pas facilement exprimer, dont on ne peut pas aisément parler. Parce que quand deux personnes se parlent pour pouvoir se comprendre, il faut qu'il y ait un minimum d'expérience commune entre elles, qu'elles parlent de quelque chose dont elles ont chacune une forme d'expérience. Thank you.
C'est sûr que l'immobilité, le handicap amène au constat et à l'acceptation progressive qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Mais à l'inverse, je crois aussi que ça permet d'ouvrir toute une série d'autres possibles, notamment dans la liberté intérieure, dans l'espace intérieur, mais aussi dans la manière dont on peut entrer en contact ou en relation avec les autres. Je pense que qu'il y a dans le handicap, qu'il y a dans la maladie, énormément de potentialités. L'être humain est quelque chose d'inépuisable au niveau du désir, au niveau de l'énergie, au niveau de la force intérieure. Et c'est des choses que l'on découvre peut-être avec plus d'urgence et plus de force quand on est privé du mouvement. Ouais.